Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Dans la leucémie lymphoïde chronique, un immunophénotypage par cytométrie en flux montre dans la majorité des cas un CD5 positif, un score de matutesse supérieur à 3 points, un CD23 négatif, un CD10 positif ou encore une faible expression des marqueurs POMB. Je rappelle que la présence d'une hyperlymphocytose chronique et persistante permet de poser l'indication d'un immunophénotypage par cytométrie en flux. Mais rappelons ce qui est la cytométrie en flux. C'est un examen de laboratoire pratiqué sur un prélèvement sanguin et qui consiste à incuber les globules blancs du malade avec différents anticorps marqués par des fluorochromes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fluorochrome? Un fluorochrome est une substance qui permet de teinter les anticorps et de les rendre fluorescents. Ces anticorps marqués sont spécifiques à certaines protéines de membrane et donc ils peuvent se fixer sur ces protéines si elles sont présentes sur la surface du lymphocyte, permettant ainsi de les colorer et de les rendre fluorescentes. L'étape suivante consiste à faire passer ces lymphocytes à travers un appareil qu'on appelle le cytomètre en flux et qui permet de détecter les différentes couleurs fluorescentes émises par ces lymphocytes. Je vous mets dans la boîte de description un lien vers une vidéo qui explique mieux le fonctionnement d'un cytomètre en flux. La cytométrie en flux montre que ces lymphocytes sont de phénotype B. Elle exprime les marqueurs PAN-B, tels que le CD19 et le CD20, mais de faible intensité. Il y a une expression du marqueur CD5. Rappelons que le CD5 est un marqueur lymphoïde T, mais qu'on retrouve sur les lymphocytes de la leucémie lymphoïde chronique. Il existe une expression d'un marqueur d'activation appelé le CD23. Ces lymphocytes B expriment en faible intensité les immunoglobulines de surface. Et ces immunoglobulines de surface sont monotypiques, soit de type kappa ou lambda. Rappelons que chez un sujet sain, 2/3 des lymphocytes B exprime des immunoglobulines avec des chaînes légères kappa et 1/3 sont de type lambda. Les autres marqueurs tels que le CD10, le CD79B, le CD103, le FMC7 sont absents. Afin de poser le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, Matutes a publié un score qui porte son nom et qui utilise les 6 marqueurs suivants. Le CD22 et le CD79B ont la même valeur diagnostique. Si ces deux marqueurs ont une faible intensité, on va attribuer un point à ces marqueurs. S'ils sont de forte intensité, c'est 0 point. Et ça sera la même chose pour les chaînes légères kappa et lambda. Pour le CD5 ainsi que le CD23, s'ils sont positifs, on attribue un point à ce score et 0 dans le cas contraire. Le FMC7, lorsqu'il est négatif, c'est 1 point, lorsqu'il est positif, c'est 0 point. Puis, on va faire la somme des points attribués à chaque marqueur afin de calculer le score de Matutes. Alors, si le score de Matutes est de 4 ou 5 points, le diagnostic de LLC est posé. Mais si ce score est inférieur ou égal à 3 points, le diagnostic de lymphome leucémisé doit être évoqué. Et pour terminer, permettez-moi de vous montrer ce tableau publié par Matutes en 1994 et qui montre que 87% des LLC ont un score de 4 ou 5 points. Donc au total, il faut cocher la réponse A, B et E. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Il me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.